Coucou à tous. Alors, j'ai dû vous retourner. Je vous retourne la partie de Laetitia, donc le courrier qu'elle m'avait fait, pour que vous puissiez bien le voir, parce que j'ai perdu. Hier, je me suis rendu compte, j'ai perdu beaucoup de vidéos et je ne peux pas du tout les récupérer. Donc, j'essaye de faire un peu. De retourner quand je peux. Alors, c'était le magnifique envoi, voilà, que j'ai reçu de Laetitia. J'aime beaucoup le détail, le vintage comme ça, les plumes, le montage avec les, comment dire, de la roue comme ça, c'est super joli. Et je voulais vous montrer le détail de l'intérieur. Je trouve ça trop trop beau. Franchement, je trouve que c'est super quoi. La colorisation, elle a ancré le. Je crois que c'est du craft ou pas? Je sais pas, mais elle a ancré les rouages et les faits, il est superbe. Donc, et dans les pochettes là, ici, et à l'intérieur, dans cette pochette, il y avait les embellissements que vous avez, que je vais vous montrer. Excusez-moi, ça a été flou un petit moment. Donc, je vais vous montrer les embellissements qui se trouvaient dans les pochettes. Donc, j'ai eu une superbe ATC. Elle est trop trop belle. Little Prince est franchement super belle. Soit dit en passant, en plus, je viens de commander un papier chez Scrap Influence que j'avais déjà vu depuis longtemps. Bon, là, il est en 15-15. Il s'appelle Gentleman Imperium et il est trop beau. En tout cas, les images que j'ai vues, donc j'ai hâte de le recevoir. Et puis, je vous partagerai cela, ce petit haul. Et donc, voilà la belle. C'est une carte. Pour moi, c'est une ATC. Hein. Et ensuite, bah, je suis désolée, moi j'ai déjà utilisé un, je pourrais pas vous le montrer, mais elle m'a fait de superbes capsules altérées et elles sont très très belles. Et elle m'a mis également des rouages. Donc merci beaucoup beaucoup Laetitia et je te fais de gros bisous. À couper. Je vous montrerai voilà le détail. Enfin, je trouve ça trop joli, c'est super beau. Regardez. Oh, trop beau! Non mais c'est juste superbe, hein? On est d'accord, c'est très très beau, hein? Oh merci infiniment, c'est super gentil. Oh là là. Alors, si tu me permets, je vais le réutiliser, cette pochette-là. Je la trouve trop belle. Oh là là, superbe. Ça j'enlève parce que je vais ranger. Et je te remercie infiniment, Laetitia. Ça me fait super plaisir. Comme on dit, toujours une très belle rencontre. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu vis également. Je te fais de gros bisous. Et merci encore. J'ai gagné. Je cherche en fait des ciseaux. Oui. Pour un lot que j'ai gagné de la part de Falco Brico. Voilà, la chaîne Falco Brico. Oula, elle m'a gâtée. Donc, deux petites pochettes, bien sûr, je les garde. Alors, il y a des découpes qui sont faites à mal, je ne sais pas dans laquelle. Je vais te mettre de côté. Elle m'a fait une belle boîte d'embellissement, une enveloppe. Donc, on commence par trouver la carte. Oh, elle est très belle. Oh, je la trouve trop mignonne. Oh là là, elle est mignonne comme tout. Regardez. Oh, c'est trop chou. Oh là là. Waouh. Alors, attendez, je vais bien la. Je vais. Oh, merci infiniment. C'est super gentil. Oh, très très belle carte. Bon, je pense que je n'ai rien vu d'écrit dedans. Peut-être que je peux la réutiliser. Ensuite, alors il y a des goodies à l'intérieur. Voilà. Alors, oh, c'est trop chou. Alors, j'ai une ATC. Donc, c'est Falco Brico, je me suis pas trompée. Et c'est Happy Easter fait le 22 mars 2019. J'avais vu normalement sur sa vidéo, elle les avait montrées. Elle est trop trop mignonne. Oh là là, c'est trop mignon. Et elle m'a fait, alors,
un petit, comment on appelle ça? Un petit embellissement, voilà. Très joli. C'est un petit gobelet, trop trop mignon, très très joli. Je vais essayer de les prendre délicatement, voilà, pour pas les abîmer non plus. Et voilà ce que ça donne. Très beau. Donc voilà. Ah, tu m'as gâté, dis donc. Ah, avec un beau tag. Alors, un truc pour ton soutien. Je sais pas, je t'ai dit, c'est pas grave du tout. Hein. Franchement, c'est pas grave. On fait avec le temps que l'on a, c'est pas forcément évident. Et puis, de toute façon, voilà, l'essentiel, c'est que c'est fait avec le cœur, il n'y a pas de souci. Donc, merci infiniment, Falco Brico, c'est trop, trop gentil. Juin. Ah, c'est l'enveloppe de juin. D'accord. Waouh! Elles sont vraiment bien garnies, tes enveloppes, hein. Voilà, donc on va commencer. Alors, on trouve en fait sur sa chaîne, quand on regarde ses vidéos, on tag, on met un hashtag avec le mois. Et ça permet de, plus on le met, plus on a des chances de gagner l'enveloppe du mois. Donc voilà, moi j'ai gagné l'enveloppe du mois et je suis trop contente. Donc ça c'est... Je le mets là. Ensuite, j'ai une belle embellishment box shaker avec un toucan. Un ananas. En tout cas, elle est très très belle. Ton image sur papier, elle est super jolie. Donc, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, tada! Et que c'est joli. J'aime beaucoup ton papier. Alors, je vais mettre là. Alors, nous avons. Donc des petites pochettes hein, qu'elle a faites elle-même. Ouh là là, tout ça, tu m'as mis, c'est énorme. Tu m'as mis beaucoup trop. Un très beau stylo. Il est très très beau. Franchement, il est très très beau. Je vais ranger tout de suite dans mon pot un stylo. Alors, j'ai des petits, des magnolias. Et il y a des gorgeous. 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 Et des magnolias. Donc, au niveau des gorgeous, nous avons celle-ci. Comme ça, pour celles qui aiment les gorgeous, je peux leur faire des petites créas personnalisées. Nous avons les magnolias. C'est vrai, j'en ai, je crois qu'on m'en avait déjà envoyé une, mais voilà. J'en ai pas tant que ça. Et je les trouve, elles sont mignonnes. J'en ai pas pour autant. Mais je les trouve mignonnes, les magnolias. Celle-là est trop, trop mignonne, la petite fermière. Ou la petite cuisinière. Celle-là, elle est trop chou aussi. Elle est trop choupinou. Oh, celle-là, j'aime bien. Alors, on a d'autres gorgeous ici, les petites sœurs, et on a celle-ci avec son cahier et ses crayons de couleur. Nous avons cette magnolia qui reste. Donc, voilà pour les tamponnages. Tu m'as gâté en tout cas, je trouve que tu m'as fait donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a des papiers comme ceci. Donc, là, ça va aller là. Je pense que c'est dans une enveloppe.
Voilà, je vais les remettre après à leur place. On a des petites flèches comme ça. Alors. Oui. On a des petits tamponnages comme ceci. Des tamponnages de fleurs. Je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et puis l'idée avec les petites enveloppes, je trouve que ça fait surprise et tout. Après, c'est fermé comme ça avec du washi. Et je trouve que c'est super mignon. On a une autre petite enveloppe dans ce carré. Alors, on vient ici. Donc, pareil, ce sont des. Je ne sais pas du tout la surprise. Oh, des petits tamponnages. C'est trop mignon. Voilà. Des petits nounours. Chat en anglais. Je t'aime en anglais. Et une petite fleur. Donc vraiment sympa. Alors j'essaye. Je vais recycler les enveloppes. Hein. Je vais ranger les tamponnages dans un sac et puis je vais recycler les enveloppes parce que j'ai un projet. Et j'essaie de récupérer tout ce que je peux. Alors. Ah celui-là, je vous l'ai déjà montré. Je croyais que je ne l'avais pas montré. Donc je me suis trompée. J'ai une pochette là. Ah, peut-être que les flèches étaient ici. Oh, trop mignon. Elle m'a fait un petit sachet de sequins comme ceci. Trop, trop, trop joli. Trop joli. Ah ouais, super beau. Et donc, c'est dans des petites pochettes qui étaient fermées là. Donc ça, je vais l'enlever, je le range direct. Parce que mes sachets à sequins, en tout cas, il y a un endroit où je les range, je les rangerai après. Celle-ci. Ah waouh, j'ai l'impression qu'il y a plein de mots. Mon trésor, mon petit frère, ma petite puce, nous, mignonne. Oh là là, super. Oh là là, merci énormément. Parce que j'en trouve pas forcément des petits mots comme ça. Et j'aime bien pour les petites créas. C'est super mignon. Donc merci énormément. Alors ça aussi, précieusement, là je vais laisser l'enveloppe. On a également des petits tamponnages ici de mots. Oh, journée formidable du bonheur sans mesure. Trop joli. Je sais pas comment dire. Tu mets mon donc tu mets de la couleur dans mon monde. On va dire ça comme ça. Tu es la cou tu colores mon. C'est comme si tu égayes l'impression que tu égayes ma journée. Donc tu égayes mon monde, tu lui donnes de la couleur. Alors, oui, c'était là. Non, c'était là. Voilà. Ensuite, j'ai également plein de tamponnages là sur du papier nacré. Je vous montre. Je ne sais pas si ça va se voir là que c'est nacré. Voilà. C'est du papier nacré. Très joli. Alors, là. Alors, j'ai plein d'onglets. Oh, super! Oh là là! Franchement, tout tombe à pic, hein. Super! Des onglets. Ça, c'est génial. Alors, je vous montre un pour que vous puissiez comprendre ce que je dis par onglet. Ce sont des découpes qui sont ceci. Vous collez sur une page. Et en fait, ça vous fait un onglet. Je vous montre, par exemple, ici. C'est comme si j'avais collé là. Et puis, ça fait un petit onglet. Petit onglet comme ça. Voilà. Ça fait un onglet. Donc, génial. 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 Alors, la suite, puisqu'il y en a beaucoup quand même. Alors, tu m'en as mis beaucoup. Oh, c'est trop mignon, les petites boîtes comme ça. Alors, dedans, là, je ne vais pas les enlever parce que c'est tout petit. J'ai enlevé que quelques-unes. C'est comme des petits confettis, des petites formes. Et ça, j'aime bien pour faire des petites créas. Quand je veux que ce soit un peu en miniature, quoi. Comme les maquettes. Donc super joli. Ça, je mets en évidence. Ah, ça, j'ai déjà vu. Flèche, je la mets ici. Peut-être qu'elles étaient collées, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et ensuite, elle m'a mis des colorisations. Et ça, c'est trop, trop sympa. Là, là et là.
Très joli. Oh là là, merci beaucoup, hein. Oh, tu m'as plus que gâté, hein. Trop trop joli. Et le dernier pour la route. Je sais plus. Je crois que je le mets dans celui-ci. Voilà. Le dernier pour la route. Jolie enveloppe, joli papier. Oh, j'aime beaucoup. Regardez. C'est des notes comme les post-it. Et comme si on avait du washi tape pour les tenir. Donc, merci infiniment, Fabio Brico. Parce que je suis en train de dire ça, mais parce que je préfère, comme je ne dirai pas ton nom, hein, ton prénom. J'ai pas besoin de dire ça. Donc, merci infiniment à Falco Brico. C'est super gentil. Tu en as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Et franchement, c'est super sympa. Je te remercie d'avoir pris le temps et c'est un plaisir pour moi. Et j'apprécie énormément ce que tu fais. Donc, ça avec plaisir. Je te fais de gros bisous. Je te fais également de gros bisous. Et puis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder les jolis courriers que j'ai reçus de la part de Laetitia de la chaîne Kitty Créatine et également le joli courrier de Falco Brico. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!